La crise des réfugiés ne cesse de s'aggraver. Le rapport Tendance mondiale pour 2023 du HCR alerte sur les défis auxquels sont confrontées les personnes déplacées dans le monde entier. Alors que de nouvelles données alarmantes émergent, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés lance un appel à l'action. Nous en sommes aujourd'hui à 120 millions. L'année dernière, nous avons annoncé 114 millions de déplacés, donc 6 millions de plus en un an. Certains sont rentrés chez eux, mais très peu en réalité. Principalement des personnes déplacées internes. Mais au Soudan ou à Gaza, ce chiffre n'a cessé d'augmenter. Le haut-commissaire souligne que les crises en Afrique, en particulier au Soudan, sont largement négligées, alors même que des millions de personnes sont déplacées dans ces régions, une réalité négligée par la communauté internationale. Il ne faut jamais oublier que les 9 millions de Soudanais déplacés, réfugiés et tant d'autres qui n'ont pas quitté leur foyer, mais sont touchés par l'insécurité, sont ceux avec lesquels nous travaillons. Des millions parmi eux souffrent autant que les civils en Ukraine ou les civils à Gaza et ailleurs. Pendant ce temps, aux États-Unis, de nouvelles restrictions sur l'asile suscitent des inquiétudes. Le HCR met en garde contre leur possible violation du droit international humanitaire.